XVIIe siècle, l'astronome allemand Kepler propose son modèle cosmologique, l'harmonie du monde. Rendu presque aveugle par ses observations du Soleil, il tend l'oreille vers le cosmos et fait appel à la musique. D'après Kepler, l'harmonie de l'univers est déterminée par le mouvement des corps célestes. Par exemple, Mercure correspond à une octave ajoutée d'une tierce. Vénus répète inlassablement la même note. La Terre se limite à un demi-ton. Mars donne une quinte. Jupiter se promène sur une tierce grave, de même que Saturne. Mais plus que les autres, c'est la planète rouge qui nourrit les rêves de Kepler et chante à son oreille les secrets de l'univers. Thank you.
Chers 3 téléspectateurs, c'est ce soir que nous assisterons au décollage du premier convoi humain lancé depuis la Lune en direction de Mars. Mes invités sont les 3 marsonautes qui prendront part à cet ambitieux périple dont le principal objectif est de vérifier si l'homme est bel et bien capable, comme le souhaitait Jean Cocteau, de rêver plus loin que dans la Lune. On n'a même pas encore découvert la Terre. Ils vont trop vite. Chers 3 téléspectateurs, on m'annonce que le compte à rebours doit commencer. 5, 4, 3, 2, 1. Au nom de la Terre, bon voyage, messieurs. Vous êtes chanceux. Toutes ces femmes à vos pieds, c'est votre musique, la sensualité, l'énergie, le style. Je vous en prie, dites-moi quel combustible vous permet d'allumer toutes ces femmes. Furier, un excellent modèle. Ou un instrument de musique. Ou un modèle. Oui. Mais Jacob Aubu ne parle pas son modèle. Pourquoi t'as pas pris une belle femme à la place? Mais qu'est-ce qui est beau? Moi, ce qui m'intéresse, c'est la sonorité d'une femme. Ça doit être difficile pour toi de toujours vivre dans l'ombre de James Bach, non? Les instruments, c'est moi qui les dessine. C'est quand même lui qui les fabrique. Ton père est un des plus grands génies du millénaire. Sans lui, Jacob Aubu pourrait pas faire de musique. En tout cas, moi, je trouverais ça dur, à ta place. Un instrument, ça surgit pas du néant. Ça prend une vision, un concept, des dessins, et finalement un plan. Un dessin, ça fait pas de musique. Et un modèle, ça ne parle pas. Tous les archétypes majeurs, la planète Mars est d'une nature ambivalente, car elle est tantôt l'amour, tantôt la mort. Elle est parfois la vie, parfois la guerre. Elle est à la fois rêve et cauchemar. À son époque, Kepler percevait la planète Mars comme un instrument de musique. S'il avait pu se réincarner en ce début de troisième millénaire, l'astronome aurait été subjugué à la vue des images de la planète rouge retransmises par satellite. Des images prises par 3 télescopes révèlent que la topographie martienne est en parfaite correspondance avec la silhouette d'un instrument de musique. C'est ridicule. Le créateur de l'univers
n'est pas seulement géomètre, il est aussi musicien, disait Kepler. Car aussi précis et complexe le mécanisme soit-il, il comporte également sa part de folie. Grâce à son modèle cosmologique, Kepler nous prouve que la réalité observée dépend totalement de l'observateur, que le réel et le rêve peuvent sans cesse se confondre. Me basant sur la théorie de Kepler ainsi que sur mes propres observations, j'avance l'hypothèse suivante. La planète Mars n'existe pas. C'est une construction de l'esprit, un fantasme parmi tant d'autres totalement subjectif. Et les marsonautes, ce sont des hologrammes, comme vous. Tout compte fait, vous n'êtes pas digne de l'ordre des cosmologues. Retournez donc à vos instruments de musique. C'est la base de mon nouveau projet. C'est-à-dire ? La caméra filme une image qui lui est renvoyée en boucle par le projecteur. C'est le feedback. Comme en musique. Et comme l'univers. À travers le feedback, la machine démontre que l'infini est une boucle. Eugène, tes théories m'échappent, mon immortel ami. Je regrette parfois l'époque où tu étais réel. Comme d'habitude, le dessin d'Arthur ne tenait pas compte des défis techniques. J'ai soudé la culasse, mais la valve reste béante. Je me suis permis de remonter les soupapes pour diminuer la pression dans la caisse de résonance, mais je pense avoir heurté une corde sensible. Ça sonne toujours trop grave. C'est normal, l'instrument finit toujours par ressembler à son modèle. J'essaie de photographier la musique, donc j'expose plus longtemps. C'est un vieil appareil. C'est un vieux musicien. Pour accueillir un nouveau langage, ça prend un vieux médium. Un registre grave. Des courbes musicales amples. Une femme bien en chair. Quoi?
C'est une femme assez forte qui a servi de modèle pour l'instrument de Jacob. Je l'ai baptisé le gravophone. T'es le fils de Jeanne Spaak, non? Arthur. Moi, c'est Avril. Une photographe, est-ce que ça ferait un bon modèle? Ça me permettra enfin de rencontrer Jacob au but. Ah non, 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 non. Malheureusement, c'est interdit. C'est Jacob qui veut ça. J'accepte de servir de modèle, mais à une condition. Que tu cadres en ce moment? Ouais, juste ton visage. Est-ce que je peux savoir pourquoi je suis tout nu exactement? Tu fais souvent ça, ce genre d'exercice-là? Non, mais en ce moment, je suis en panne d'inspiration. Donc, je reviens au grand thème. La vie, la mort, le temps, l'espace, le néant. Photographier tout un monologue. Ma recherche porte sur le thème du vide. C'est magnifique. Continue de parler. Faut pas que t'arrêtes. C'est vrai que d'être à poil, sans raison apparente, devant une femme qu'on connaît à peine et qui nous attire impitoyablement. Ça alimente un monologue. L'expérience fonctionne mieux quand on est seul. Je m'appelle Arthur Spaak. J'ai 35 ans. Je suis célibataire, j'ai pas d'enfant, j'en aurai jamais. Je suis concepteur d'instruments de musique pour Jacob Aubu. Déjà mieux. Est-ce que je vous connais? Je passe des longues nuits avec toi en chambre noire. Je m'appelle Avril, puis je te lâche pas tant que tu viens pas prendre un verre avec moi. Je sais, j'ai pas beaucoup de poils. C'est génétique, ça vient de mon père. Je veux pas dire par là que ma mère était poilue. Enfin, on est comme on est. Et quel effet cela vous fait-il de flotter dans l'espace? Well, in space, you feel like you're, Your small self is part of like a greater whole. Vous devez vous sentir ridiculement petit devant l'infini néant cosmique. On essaie de pas regarder dans l'infinity. That could really mess you up, you know. Je
J'ai le souffle court. Ça s'entend. C'est pas la seule partie de moi qui fait défaut. L'un des nombreux objectifs de votre périple est de renouer avec les origines fondatrices de la vie. Well, I guess nous sommes le retour du vie sur Mars. Like a second chance for humanity. Soit, mais seul en plein désert martien, l'homme n'ira pas très loin sans la femme. What do you mean? Pourquoi n'y a-t-il aucune femme à bord de votre convoi? Bienvenue à l'effet de serre. Vous devez avoir soif. Toujours. Un Dry Mazzutini, s'il vous plaît. Un antigel pour moi, s'il vous plaît. Ça va sauter. Je sais pas pourquoi, mais quand je te regarde, je te vois jeune. À cause de ta musique, j'imagine. La musique est le seul moyen que je connaisse pour avoir du souffle. Et aussi pour suspendre l'activité du temps. C'est ça que j'aime dans ta musique. C'est lent au début, puis ça s'accélère. Comme le temps. Comme l'amour. Antigel pour madame. Dry Mazzutini pour monsieur. Tu dois rencontrer des femmes. Ça doit être difficile. Tu dois dire encore une autre qui veut coucher avec moi. Encore une autre qui s'imagine que je vais tomber en amour avec elle. Raconte-moi ta plus belle aventure. Le dernier concert de notre première tournée. Évidemment, on n'était pas très connus à l'époque. La salle était bruyante, mais la première note a fait taire tout le monde. Le son était pur, enivrant. Je veux dire, ta plus belle aventure sexuelle. Est-ce que tu accepterais de servir de modèle? Je suis photographe. Eugène est devenu virtuel parce qu'il avait trop peur de vieillir. Mais pour moi, c'est comme s'il était déjà mort. Il pense que je suis jaloux de lui. Le pauvre. C'est lui qui est jaloux de moi. Les idées, c'est moi qui les ai. Un père jaloux de son fils. Vous vous rendez compte? Une chance que je te photographie en noir et blanc. Sinon, il faudra enlever beaucoup de rouge sur les tirages. Mon souffle n'est plus ce qu'il était. Je me sens vieillir. Poursuivez.
C'est comme si j'étais suspendu dans le vide. C'est un jazzman septuagénaire, avec une vie sexuelle trépidante qui fait l'envie des quinquagénaires en crise dont je suis. C'est le salaire du musicien. Sans rire. Vous courez après votre jeunesse depuis trop d'années, monsieur Aubu. Avril. C'est un drôle de nom. Je devais naître fin avril, mais ma mère a accouché de moi début mars. Elle dit que c'est pour ça que j'ai du mal à respirer. Une martienne. J'ai hâte d'entendre le son que ça va donner. Moi, j'ai qu'une hâte. Que Jacob Aubu fasse courir ses doigts le long de mon corps. Tu veux dire le long de l'instrument inspiré par ton corps? C'est un homme intriguant. C'est un homme dont la carrière repose sur l'art d'intriguer. Je vous traite depuis des années. Votre âme et votre corps doivent plus avoir de secrets pour moi. Eh bien, la nuit dernière, j'ai vécu une expérience étrange. Difficile à décrire. Il m'attire. Évidemment. Le mythe. Jacob Aubu. T'es jaloux? Non. On est jaloux quand on envie quelqu'un, moi j'envie personne. T'es beau dans l'ombre. Incroyable. Vous avez fait un rêve. Tout récemment, auriez-vous rencontré quelqu'un? Oui. Une jeune femme. Mais quel est le rapport? Écoutez vos rêves. Peut-être y trouverez-vous une réponse. Le rêve est la porte d'accès à tout ce qui est possible. C'est toi, Jacob? Chanceux, tu vas être le premier à voir le plan du marsophone. Je pense que c'est ce que j'ai fait de mieux. En effet. Qu'est-ce que tu fais là, toi? Pas en conférence? Tu sais, il y a d'autres sujets de recherche beaucoup plus intéressants que les instruments de musique. C'est quoi ta dernière lubie? La planète Mars. Il ne manquait plus rien que ça. Mon père qui veut devenir marsonaute. Pas du tout. Absolument pas. Je préfère faire partie de ceux qui informent plutôt que de ceux qui désinforment. Pourquoi ne viendrais-tu pas travailler avec moi sur mon nouveau projet? Je veux pas quitter Jacob. Faut que je le protège. Qu'est-ce qu'il ferait sans moi? Et moi? Qu'est-ce que je ferais sans lui? Il faut que tu penses à la suite des choses. J'ai besoin d'un assistant. Je connais rien à la cosmologie expérimentale et encore moins à la réalité virtuelle. Tu n'as qu'à retourner aux études pour te perfectionner. Il n'est pas trop tard pour toi, tu as encore la couche aux fesses. Je connais bien ce dessin-là. J'ai reçu le même signal que toi. Signal? J'ai reçu aucun signal. Mon pauvre, tu parles encore comme un extraterrestre. Un peu d'humilité, Arthur. Ce n'est pas toi qui détiens les idées. C'est l'univers. Toi, ton rôle se limite à les traduire. Je me tue à te le répéter. Voilà, j'ai terminé. Il te reste plus rien qu'à traduire mon dessin en instrument. Je n'ai pas besoin de ton dessin. J'ai déjà presque terminé cet instrument-là. Qu'est-ce que tu veux dire? Je te l'ai dit. J'ai reçu ce signal-là bien avant toi. Oh.
Tu veux que je parle? Mais de quoi? Ma recherche porte sur le thème du vide. Mais je t'avertis, le négatif capte que la vérité. Bon. Eh ben voilà. Mon nom est Jacob Aubu. Je suis musicien. J'ai 75 ans. Et je n'ai jamais fait d'amour dans ma vie. Je suis donc un imposteur. Mon seul vrai mérite aurait été de collaborer à une recherche sur le thème du vide pour une magnifique jeune photographe. Mais ta musique, Jacob, de quoi tu parles dans ta musique? Votre navette voyage à une vitesse proche de celle de la lumière. Or, qui dit vitesse relativiste dit ralentissement du temps et donc du vieillissement. Right. Le plus gros problème de l'humanité, c'est que tout est relatif. And that everything goes too fast. Je sais, je suis en retard. Désolé. Je suis peut-être en retard sur mon temps, mais j'ai tout de même quelques minutes d'avance sur la technologie. Mes paupières se sont fermées. Et pour la première fois depuis longtemps, j'ai échappé à la réalité. Le cerveau a besoin des rêves pour faire le grand ménage. Dans ma tête, j'ai vu des images. Pierre de Mars, fantasme rouge. Le printemps est à notre porte. Et l'amour aussi. Ah bon? Aucune erreur possible, Jacob. C'est la femme de ma vie. Nous sommes totalement complémentaires. Elle cherche à capturer la réalité. Moi, je cherche à la traduire. Un autre instrument en vue, si je comprends bien. Et pas n'importe lequel, j'ai hâte que tu en joues. Tu vas voir, elle a des seins parfaits qui défient la gravité. We spent our lives dreaming of this moment, Bernard. Jacob. And now, Jacob. Here we are, living the dream. Et Marcelot. Parlons-en du rêve. C'est notre pneumatologue que j'aimerais entendre à ce sujet. Les marsonautes entreront bientôt dans l'inconnu le plus total. Comment arriveront-ils à distinguer le rêve de la réalité? What you see is reality, I guess. Vraiment? Jacob, tu m'écoutes pas. À un moment donné, il va falloir que tu vieillisses un peu. Que tu parles aux femmes, que tu tombes amoureux. Ça fait combien de temps que t'as pas baisé? Moi aussi, j'ai rencontré quelqu'un. Ah bon? Elle est comment? Elle est franche. Elle a un regard vibrant. Elle a le souffle court. Mais beaucoup d'esprit. Et elle aime ma musique. Tu sais, Arthur, Avril et moi aussi sommes complémentaires. Dans mes rêves, je respire à sa place. Qu'est-ce que j'ai dit? Rien du tout. Avril, c'est un drôle de nom, c'est tout.
tombe bien, j'étais justement en train de développer ta photo. C'est noir. Pourtant, sur le négatif, l'image est là. Trop d'informations. Ou pas assez. En tout cas, avec Jacob, ça fonctionne. Des fois, quand j'ai du mal à respirer, je viens ici pour le voir. Je pense que ce serait préférable que tu te contentes de son image. Et vice-versa. Je suis désolée. Au départ, je voulais me servir de toi pour me rapprocher de Jacob. Et maintenant? Je sais pas. J'ai jamais vécu ça. Trop de force d'attraction. Je suis attirée par deux aimants en même temps. Tu connais pas Jacob? C'est son image qui t'attire. Le mystère entretient le mythe. C'est pour ça que les modèles peuvent pas parler à Jacob. Pour entretenir le mythe. Jacob aime la musique. Moi, les femmes. Jacob, c'est Arthur. Arthur? Écoute, Jacob, j'ai bien réfléchi. La femme dont tu me parlais, contente-toi de lui parler dans tes rêves. Je lui ai déjà dit qu'on se reverrait. Non. Surtout pas. Oublie-la. Mais c'est toi-même qui me disais que je devais... Laisse-la pas t'approcher. Fais-moi confiance pour ces choses-là. De quelle femme tu parlais? De modèle. Qui parle à Jacob tout en sachant très bien que c'est interdit. Ça perturbe le pauvre homme. Ça l'empêche de dormir. Jacob? C'est Avril. Avril? J'appelle de chez Arthur, mais il sait pas. J'ai entendu votre conversation. Moi non plus, j'arrive pas à dormir. Je voulais savoir, te souviens-tu de ton premier orgasme? Moi, la première fois, j'ai pleuré. Pleuré? Pourquoi? J'ai eu peur de mourir. Allô? Jacob? Jacob, tu dors toujours pas. Arthur, est-ce qu'on peut mourir d'un orgasme? Comme on peut mourir d'un rêve? Le souffle, c'est l'âme.
vous êtes essoufflé, c'est peut-être que votre âme vieillit plus vite que votre corps. Mais comment je peux faire pour rétablir l'équilibre? Vous unir à une âme complémentaire. Mais vous pourriez pas plutôt me prescrire une solution échappatoire plus expéditive, un genre de bombe pulmonaire ou... Dans votre cas, ce qu'il vous faut, c'est la fusion des âmes. Accrochez-vous à ce qui vous fait du bien. Et ne lâchez surtout pas. C'est dangereux de s'immiscer dans le rêve des autres. Qu'est-ce qui va pas? Est-ce que je suis vieux? Qu'est-ce que tu veux dire? Est-ce que j'ai perdu du temps? Tu parles comme si t'étais mort. J'ai l'impression qu'une grosse partie de moi est en train de me lâcher. Voilà. Alors il faut en faire naître une autre. C'est le moment d'essayer ton nouvel instrument. Jacob. Il faut que tu sois créatif avec celui-là. C'est un instrument unique, complexe, fragile. Alors, l'obus, prêt à être largué? Oh, ça fait 50 ans que je suis prêt. Un, deux, trois, quatre. Le but se dégonfle. Je comprends pas, là. Je comprends pas. Qui a servi de modèle? Ça n'a rien à voir avec le modèle. Ça doit être Eugène qui a fait une erreur. Où tu vas? Il reste une heure avant le spectacle, j'ai peut-être le temps de le réparer. Relax, on va être au bar. C'est toi qui as saboté l'instrument. Jamais je ne saboterai le rêve des autres. C'est contre mes principes. T'as même pas consulté mon plan. Je n'avais pas besoin de ton plan. Ça ne sert à rien de chercher ce qui n'existe pas. Il n'y a ni erreur, ni sabotage. L'instrument est techniquement parfait. Le problème est ailleurs. Salut. C'est la première fois que ça m'arrive.
Jacob, ça va pas? Ça va vite. Je peux ralentir le disque encore plus si tu veux. Non, c'est pas le disque. C'est dans ma tête que ça tourne. J'ai les poumons qui flanchent. Où est ton inhalateur? J'en ai pas besoin. Quand je suis près de toi, je respire mieux. C'est moi qui en aurais besoin. Ben voyons. T'as des poumons de jeune vierge. Il est temps que je m'arrête, Avril. Il faut savoir tirer sa révérence. Je suis en fin de course. Et puis voilà. Il faudrait un long temps de pause. Le repos éternel. Non. Je te parle d'un temps de pause photographique. Maintenant, je suis pressé. J'ai un concert à donner ce soir. Tu sais, il existe d'autres moyens que la musique pour suspendre l'activité du temps. Cher public du Public Inn, l'obus se laisse désirer ce soir, mais devrait être largué d'un moment à l'autre. Merci de votre patience. Prochaine station, Champ de Mars. Attention à la fermeture des portes. Thank you.
Société de téléportation de Montréal. Puis-je vous aider? J'ai pris le téléporteur avec une demoiselle et j'en suis ressorti tout seul. Ça arrive dans les meilleurs couples. Non, vous ne comprenez pas, elle a disparu. Phénomène courant, surtout dans le cas des chiens pour aveugles et des analphabètes. Il ne faut jamais prendre le téléporteur à deux. Vous ne savez pas lire les instructions? Oui, mais c'était la première fois. Il faut une première fois à tout. Alors, comme ça, madame a disparu. Pouvez-vous me la décrire? Elle s'appelle Avril. Avril? Elle a les yeux bleus, elle est belle. Et je l'aime. Vous l'aimez. J'en prends bonne note. Merci d'utiliser notre service de téléportation. Attendez. Mais qu'est-ce qui lui est arrivé? Rassurez-vous, rien ne se perd, rien ne se crée. Bonne nuit. J'avais dit une heure, pas deux. Je l'ai attendu toute ma vie. Je l'ai perdu. En fin de course. Où est-ce qu'elle est? Le spectacle est annulé, Arthur. De la planète rouge, Mars, c'est comment? Oh, it's, to be perfectly honest with you, Bernard, it's, quite boring. We feel rather far from our mothers. Bien, mais dites-moi, que faites-vous depuis votre arrivée? Not much, really, Bernard. We take walks, we pick up rocks. Il n'y a pas beaucoup on peut faire, you know. Bon, parlons plutôt de l'opération Hertz, celle que les scientifiques ont prévue afin de vous... Opération Hertz consistait de construire un téléporteur sur la Mars pour régler le problème de solitude. This way, the scientists who sent us up here can actually venir joindre nous and see for themselves just how boring this place really is. Ah! Et ce téléporteur est-il construit? Oh, you bet. Mais quelque chose est obviously wrong. Because we had an unexpected visit this morning. A girl by the name of Avril was transported here via teleporter. La première femme marsonaute! Avez-vous l'intention de la retourner sur Terre? We'd like you. Une autre, vite. But the teleporter was designed to bring people to Mars and not necessarily back to Earth. Besides, there seems to be a reason for the girl's presence up here. Ah, désolé, messieurs, je vous reçois mal. Sorry, Bernard, we seem to be having a hard time receiving you. Monsieur Audet, ça va? J'arrive, Avril. Some dreams can be deadly. But
the story's not over yet. Wake up now. You're alive. Comment ça va, l'obus? Et depuis quand se largue-t-on soi-même sans autorisation? T'es resté dans les vapes pendant plusieurs jours, mais rassure-toi, on est toujours en avril. Avril? Où est-elle? L'est-il? La martienne. Sans les poumons qui flanchent, Jacob? Non, pas les poumons. L'âme. Monsieur Obu a perdu le souffle de l'inspiration. J'abandonne. Je vous ai menti, les gars. Durant toutes ces années, j'ai menti à tout le monde. Avec Avril, j'ai fait l'amour pour la première fois de ma vie. Et sans doute pour la dernière, oui. Mais croyez-moi, quand je vous dis que toujours, à travers toutes ces années, j'ai essayé de parler de ce que je ne connaissais pas, avec la plus pure conviction. Le moins qu'on puisse dire, c'est que tu étais convaincant. Désolé. On ne peut pas laisser le public sur cette triste note. Il faut donner un dernier spectacle. Tu nous dois bien ça, après nous avoir menti tout ce temps-là. Si tu le fais pas pour toi, fais-le pour nous. Ou pour Avril. Que cet instrument fonctionne ou pas ne dépend que de toi, Jacob. C'est toi qui crée les limites de ta réalité. La solution est en toi. Qu'est-ce que tu connais à la réalité, toi? L'anguille électrique pour M. Obu sous la loge. Et poisson volant pour M. Spar. Bon appétit. L'univers qui nous entoure n'est qu'une illusion. Notre monde intérieur et notre monde extérieur sont intimement liés. L'un ne peut pas exister sans l'autre. Regarde. La conscience crée la réalité physique. Que tu le veuilles ou non, la science est la nouvelle religion. Il faut avoir la foi. Je n'ai aucune foi en la science. C'est elle qui m'a enlevé Avril. Et c'est elle qui te la ramènera. Que dirais-tu de tester ma nouvelle invention? Tu ferais un cobaye idéal. Retour au point d'origine, Montréal. Merci d'avoir fait le tour de la Terre en bord de l'Orient Express. Prenez le temps de terminer votre assiette. Bonne soirée. Tout ça, c'est dans ta tête. Dans ta tête aussi, Jacob. Ta tête est un vaisseau spatial. Et grâce à elle, tu peux aller où tu veux, même sur Mars. Tout est prêt pour votre départ. Eugène, où vas-tu? Tes rêves font du bruit. Je dois me préparer à les capter. Si tu veux entendre mes rêves, accompagne-moi ce soir.
au public. Exprès ou quoi? Arthur, j'ai besoin de ton aide. Qu'est-ce que tu en penses? Moi, je l'aurais pas dessiné comme ça. Évidemment. Ça peut décoller, un truc comme ça. Mais pas au sens où tu l'entends, Jacob. L'œil est à la fois la caméra du cerveau et l'écran de l'âme. Jacob fournira le regard et Arthur servira d'écran. Les influx visuels amplifiés par le cerveau de Jacob seront renvoyés en boucle dans l'œil d'Arthur. L'imagerie inconsciente se répétera à l'infini, entraînant Jacob dans ses profondeurs. Le feedback. Il me sera impossible de te ramener. Il faudra que tu trouves en toi-même le moyen de revenir à la réalité, avec ou sans Avril. C'est ridicule. En tant que copilote, les risques sont minimes. Ce voyage se déroulera dans ton inconscient. Et dans l'inconscient, il arrive souvent que les archétypes prennent le dessus. Laisse-toi faire, mais reste vigilant. C'est toi qui créeras les problèmes. Et c'est toi qui détiendras les clés, comme dans un rêve. Comme dans un rêve. Je lance le processus de rétroaction inconsciente. Décollage dans 5, 4, 3, 2, 1. Bon voyage, messieurs. Oh.
possible m'étouffe. Je deviens fou. Vous n'êtes pas fou. Peut-être que vous changez the way you perceive the reality. Cette fois, je suis bel et bien sur la planète Mars, non? Well, actuellement, it's our turn to make a little confession. In fact, nous sommes pas vraiment sur le Mars. See? Come here. This is where we shot the landing. And the whole scene with the teleporter, remember? That was shot right here. Mais Avril, dans tout ça, la jeune femme expédiée accidentellement sur Mars. Par ce téléporteur, d'ailleurs. Où est-elle? Dude, it's a prop. All it said in the script is that a belle femme named Avril would join us on Mars. The rest is up to your imagination. Comment je peux aller la chercher, alors? The réponse is right there. Bonne chance. Vous l'honneur de votre visite? Docteur, vous qui passez à la 3D division, dites-moi la vérité. La saga des Marsonautes n'est qu'un canular, n'est-ce pas? Qui vous a dit une chose pareille? Les Marsonautes eux-mêmes. Vraiment? Décidément, votre esprit est un cas rare. Il ne parvient plus à distinguer le rêve de la réalité. Je ne peux pas rester. Je suis attendu. Où ça? Sur la planète Mars. Bon voyage, monsieur Obu. Je vous laisse aller.
sommes dans notre instrument. Évidemment. Où veux-tu qu'on soit? Tu es sûr qu'Avril se retrouve au fond? Tu vois une autre ici? Le souffle d'un instrument, c'est à sens unique. Faut suivre le vent. La recherche porte sur le thème du vide. Mais je t'avertis, le négatif capte que la vérité. C'est maintenant que nous saurons si t'as toujours l'inspiration. Thank you.
ici que les ondes sonores se perdent à jamais dans l'infini. À partir du moment où la musique s'échappe de l'instrument, elle ne nous appartient plus. Je suis heureux, mes amis. Je suis complet. Le point bleu là-bas, c'est pas la Terre. Interne dans ce téléporteur-là. La capsule s'active de l'extérieur. Elle a été conçue pour amener des gens sur Mars, mais pas pour les retourner sur Terre. Une personne doit obligatoirement rester derrière pour assurer le départ des autres. Ce qui veut dire que... Que je vais rester ici. Non, que je vais rester ici avec toi. Il faut redescendre sur Terre maintenant. Sinon, comment je vais faire pour respirer, moi? Comment il va? Votre ami vit toujours. Mais son esprit ne répond plus.
Je crains que le processus ne soit irréversible. Ses poumons sont encore très bons. Une patiente à bout de souffle vient tout juste d'atterrir ici. On doit lui transplanter d'urgence de nouveaux poumons. Il s'agit de la première femme marsonaute. Avril. Jacob a réussi. Nous pourrions lui greffer des poumons artificiels. Mais rien d'équivalent au souffle d'un vieux musicien. Ce n'est pas la mort, Arthur. C'est une renaissance. Le célèbre musicien Jacob Aubu a rendu son dernier souffle. Et apparemment, ce dernier souffle aurait des répercussions jusque sur la planète Mars. En effet, aussi incroyable que cela puisse paraître, des ondes musicales nous parviennent en direct de la planète rouge. Je vous laisse sur cette ultime prestation de Jacob Aubu.